Il va y avoir du sport. 6-9 la matinale, matin sport. sport. Bonjour Mamar Debour. Bonjour. On commence par le foot, l'actualité, c'est l'équipe nationale qui quitte aujourd'hui Alger direction Monrovia. Le Libérien. Le Liberia. Je rappelle, on est sur une semaine FIFA. Premier match contre la Guinée équatoriale pour la première journée, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, victoire de but à zéro. On va pas revenir sur ce match. On va se projeter sur le prochain match qui aura lieu demain à 17h, heure algérienne, à vient Un entraîneur national qui devra faire eh bien, sans plusieurs cadres. Notamment avec Elias Mahrez, le retour du capitaine absent depuis l'arrivée de Vladimir Petkovic, eh bien lui. A déclaré forfait. Ça faisait sept mois qu'il n'avait plus mis les pieds en équipe nationale, plus précisément depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ajoutez Ariad Mahrez. Il y aura le Houssem Awar, le buteur qui a ouvert la marque contre la Guinée équatoriale, qui est également absent. Et puis, ils étaient blessés depuis le début du stage. C'est Ryan Nouri et Mohamed Amin Amoura. Toujours, convalé, euh, toujours convalescent. Alors, tous ces joueurs blessés n'ont pas été remplacés. On rappellera qu'en début de stage, Boudaoui avait été remplacé par Kandoussi. Et le dernier coup dur, c'est Smaïl Benassar, qui lui également ne va pas rejoindre, ne pourra pas se déplacer à Monrovia. En d'autres termes, l'entraîneur national va bah, se déplacer avec 18 joueurs. Alors, il devra faire avec ce qu'il a sous la main, puisqu'il n'y a pas eu de remplacement, et tenter d'aller chercher... Un résultat pour confirmer le résultat d'Alger et puis surtout capitaliser sur la victoire enregistrée à Oran plus précisément. J'avais dit à Alger parce que tous les matchs pour moi se jouaient à Alger, bon ils se jouaient à Oran. Alors je rappelle que dans le groupe de l'Algérie également parce qu'il y a des adversaires, mmh. il y a le Liberia et le Togo qui s'étaient affrontés lors de la première journée. Les deux équipes avaient fait match nul, un but partout. Et lors de la deuxième journée, la Guinée-Équatoriale accueillera le Togo. Ça c'est aujourd'hui à 16h. Et d'ailleurs, je vous donne déjà un premier match qui a vu la Tunisie s'imposer en Gambie. Ça s'est joué hier sur le score de 2 buts à 1. Pour aujourd'hui, on aura donc la Guinée-Équatoriale, Togo... 17h. Dans le groupe G, Zambie, Sierra Leone. Dans le groupe L, le Burundi sera opposé au Sénégal. Le Sénégal qui avait été tenu en échec lors de la première journée. Le Niger qui va affronter le Ghana. Le Ghana qui avait été battu également lors de la première journée. Madagascar sera opposé au Comores, L'Ouganda face au Congo. L'Ethiopie devant la République démocratique du Congo. Et l'Angola qui sera opposé au Soudan. Voilà, vous avez la photographie. Ou le programme des matchs pour le compte de cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, important, important de ne pas se rater à Monrovia. Alors la préparation bat son plein puisque plusieurs équipes sont en train de plusieurs équipes, toutes les équipes sont en train de se préparer actuellement pour l'entame du championnat tant en Ligue 1 qu'en Ligue 2 puisque également en Ligue 2. Il y a des équipes qui ont l'ambition de revenir le plus rapidement possible, à l'image de Kuba. Cuba qui a, avec une nouvelle direction, le retour de Salim Messani aux affaires. Salah Assad également qui revient comme président d'honneur, avec une équipe qui sera emmenée, ce sera sa dernière saison, Yahya Sherif, le capitaine d'équipe, lui qui a porté l'équipe koubienne. Elle aura comme adversaire la JS Kabylie, La JS Kabylie avec une nouvelle équipe dirigeante, Hakim Meden, comme dans le poste de directeur général, et un entraîneur, Abdelhak Ben Benchira qui lui-même s'est occupé du regroupement. Donc ils vont affronter la formation de Cuba. Alors je rappelle que la JSK a effectué l'essentiel de sa préparation en Turquie où elle a disputé un certain nombre de matchs amicaux. La direction de la JSK a, 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 a Disons-le, donner à Ben Shikha, confier les rênes techniques à Ben Shikha, qui a assisté toujours de l'éternel Farid Zemiti et également de Mohamed Lasset. En matière de recrutement, la GSK a été très active sur le marché des transferts. Retour dans le championnat de Ligue 1 de Gaïa Merbach, des défenseurs Mohamed Amin Medani qui est passé du CSC à la GSK Kabylie, Hamidi, idéalement, mais aussi que le milieu offensif Aymen Abdelaziz, le Il y aura l'arrivée du milieu de terrain Kanouté, le Malien, et de l'attaquant burkinabé Djibril. Ouattara, la JSK débutera la première journée face au Moudia d'Alger. Autre club hein, qui a été très actif sur le marché des transferts. Il y a eu le, champ, le, le, le vainqueur de la Coupe d'Alger et le CRB également a été actif sur le marché des transferts, rappelons-le, puisque cette saison, le championnat où la fédération permet le recrutement de 5 étrangers. Notre équipe, c'est l'USMA d'Alger qui fait appel à un Bolivien. Ça sera une première dans le championnat de Ligue 1. L'USMA d'Alger également, très actif sur le marché des transferts, avec cette ambition pour l'USMA d'Alger d'aller euh, chercher, d'aller euh, tenter de trouver euh, ou de retrouver, euh, de remporter le titre de champion. Le champion d'Algérie, le Moudia d'Alger également actif puisque, rappelons-le, ils ont, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé, il a été fait appel à un joueur comme Draoui qui est, rentre, euh, du, qui est rentré du Maroc où il évoluait, il a rejoint le championnat de Ligue 1, une équipe du Moudia d'Alger qui va tout faire pour conserver son titre de champion. En d'autres termes, ça nous donne une saison très active. Je pense que vous avez dans l'idée de me poser une question dans sur Slimani, que <laughs> pour vous au moment, où je, où je, où je, oui, au moment où je vous parle concernant Slimani, plusieurs clubs ont essayé de le prendre. Je peux vous dire, la JSK était sur les rangs pour prendre Slimani. Le Chebabriadi Briadi de Belwizdead était en contact avancé. Sur les informations que je possède, Slimani, s'il doit jouer en Algérie, ne jouera qu'au Chebabriadi Briadi de Belwizdead. C'est ce qu'il a répondu à tous ceux qui l'ont Contact. Voilà qui répond la petite voix dans le casque. Voilà, j'ai compris. Alors, on va revenir, on va passer au tennis parce qu'hier, il, il y a eu la finale de l'US Open. L'Italien Sinner, qui a remporté, rappelons-le, qui reste invaincu aux États-Unis. Il avait remporté Cincinnati. Et là, il reporte un tournoi du Grand Chelem. Il avait remporté également l'Open d'Australie. Alors, Sinner a battu Fritz l'Américain, sans discuter, un 6-3, 6-4. 7 5. il reste le numéro, l'homme forme, <coughs> le numéro 1 mondial du cyclisme, avec Hamza Yassin, sociétaire de l'équipe Madar Pro Team, qui a remporté la première étape de l'édition du Tour de Salah euh, à Oman, disputé hier sur une distance de 131 km. Alors, il devance le Néerlandais Velling et le Brésilien Sessler, au moment où son compatriote Hassel Lake, également sociétaire de la Madar Protim, a terminé au pied du podium, en notre terme, à la quatrième place. Les autres Algériens engagés dans cette course ont occupé des classements situés plus bas dans la hiérarchie, à commencer par Islam Mansouri, 9e, Mimouni 16e, Amari 22e, Mansouri 24e. Semiani 25 e et Bachir Chenefi 44 e La deuxième étape, elle aura lieu aujourd'hui. Elle se déroulera elle, sur une distance de 120 400 km 400 entre Dehris Beach et Wadi Derbet. Lors de la précédente édition de ce Tour cycliste de... disputé également à la mi-septembre en 2023, l'Algérie avait participé avec un total de 6 coureurs et Hamza Yassine avait d'ailleurs remporté la première étape. Et puis on rappellera également la Vuelta s'est terminée. Alors ça a été remporté par Roglic qui s'impose pour la quatrième fois. Il lui manque le Slovène qu'un seul tour. Il a gagné le tour d'Espagne, le tour d'Italie, il lui manque qu'un seul tour. C'est le tour de France. Je rappelle qu'il a âgé de 34 ans. Alors c'est le leader de l'équipe Red Bull Bora, déjà victorieux sur les routes d'Espagne en 2019, 2020 et 2021. Il égale le record du nombre de victoires dans la Vuelta établi par l'espagnol Roberto Arras au début des années 2000. Rappelez-vous, il avait remporté en 2000, 2003, 2004, 2005. Après 21 étapes et près de 60 000 mètres de dénivelé, Roglic devant son classement général final de 2 minutes 36 secondes, l'Australien Ben O'Connor, porteur du maillot rouge de leader durant 13 journées. L'Espagnol Henrique Mas a conservé sa troisième place sur le podium devant l'équatorien Richard Capras. C'est le cycle hors en ce moment. Merci, Amal C'était l'essentiel de la Cube Sport à retenir. Il est 7h29 sur Alger, chaîne 3. Ne bougez pas, dans une petite minute, on revient l'info.